j'écris des poèmes. Donc, cela me fait réfléchir d'emblée sur la fabrication du poème. Je fabrique le poème à partir du langage, à partir des matériaux, à partir du rythme, si bien que l'influence que j'ai eue, c'est d'abord, je dirais, celle de la parole paternelle. La première influence que j'ai eue, c'est la parole de mon père. Je dirais la parole de mes pères, notamment de mes grands-pères. Il se trouve que j'ai été élevé à la conjonction d'une culture créole, haïtienne, qui allait se transformer en quelque chose à une époque charnière, c'est-à-dire l'arrivée d'une chape de plomb sur la parole. Si bien que j'ai été élevé par des hommes qui parlaient comme des livres, c'est-à-dire ce qu'on appelle les anciens haïtiens. Des hommes qui avaient été élevés en France, mes grands-pères avaient été élevés en France, donc étaient revenus en Haïti, mon grand-père maternel est revenu en Haïti à 28 ans. Si bien que c'est des hommes qui parlaient à la manière un peu du 19e siècle finissant. Et donc, ce que j'ai retenu de cette parole, de cette oralité-là, c'est qu'elle devait être d'abord écrite. Et que toute oralité finit sa destinée, son destin de l'oralité, c'est d'être écrite. Parce que ce sont des hommes qui parlaient comme des livres. Ils parlaient comme si leur parole avait déjà été écrite dans leur tête. Et ils me sortaient ça avec une espèce de fluidité et de précision, d'exactitude qui me fascinait. Et je pensais bien évidemment que cette langue-là, je pourrais jamais la parler comme cela. Je pourrais que l'écrire éventuellement. Et donc, tout ce que j'écris aujourd'hui, et mon père, et je le dis un hommage à sa mémoire, il me disait, tout ce que tu écris, c'est ton grand-père qui l'écrit. Ça veut dire exactement cela. C'est-à-dire qu'il avait senti que tout ce que j'écrivais, en fait, c'était une espèce d'écho de cette parole des hommes, des femmes également, et qui parlait de cette façon-là, qui avait une langue extrêmement rigoureuse, extrêmement châtiée, et ceci sans aucune idolâtrie de la langue, sans aucun fétichisme de la langue. Ma première inspiration a donc été cela. Et surtout, je l'ai dit dans un poème, vous reviendrez me réciter ce poème quand vous me saurez convenablement. C'est-à-dire que ça, c'est une parole paternelle. Quand j'allais réciter un poème à mon père, alors que je connaissais le poème par cœur et je n'avais rien raté, il n'était jamais content. Il me renvoyait. Et c'est là que j'avais compris que la littérature pour lui était une espèce de deuil impossible. Il y avait quelque chose dans la langue qui jamais n'atteignait son objet. Et c'était une grande leçon puisque je revenais, je récitais de nouveau. Et Baudelaire, Hugo, Rimbaud, c'était pas satisfaisant. Quelque chose manquait. Alors si bien que ce manque à dire m'est resté. Parce que j'étais un enfant atteint d'un bégaiement considérable. Un bégaiement significatif, très sévère, qui disparaissait lors de la lecture des poèmes. Donc la poésie pour moi était pas seulement un art poétique, une fabrication de mots, un rythme, mais une véritable inspiration dans le sens profond, réel du terme, c'est-à-dire quelque chose qui m'a permis à la fois d'inspirer organiquement et d'expirer, et d'apprendre à parler, d'apprendre à respecter le rythme, la prosodie. Et c'est comme cela que le bégaiement a disparu progressivement. Et donc, mon rapport à la poésie, c'est un rapport d'inspiration, c'est un rapport de souffle, c'est un rapport réel, c'est un rapport qui passe pas seulement par des lectures, mais qui passe par une véritable libération de la parole, concrète, organique. Maintenant, les auteurs. Alors, moi je dirais, parlons des auteurs contemporains,
Dominique Fourcade, Jules Stéphan, Jacques Roubaud, je cite des auteurs français. Bonnefoy, Méchonic. J'ai beaucoup lu les auteurs contemporains français parce qu'à l'époque, quand j'étais à Strasbourg, j'avais 20 ans, je me passionnais pour la psychanalyse, je me passionnais pour le structuralisme, je me passionnais également donc pour la poésie contemporaine française. C'est d'abord celle-là qui m'a conduit à retrouver un petit peu en même temps, je dirais, la poésie de Césaire et surtout celle de Saint-Jean de Perse. Donc c'est un détour par la poésie contemporaine française qui m'a conduit à redécouvrir la poésie de la Caraïbe, puisque j'avais pas été élevé en Haïti et ni dans les Antilles. Donc ce que j'ai appris au Québec notamment, c'était la poésie québécoise et la poésie française. C'est par un, j'allais dire, une démarche personnelle, d'autant que les livres n'étaient pas faciles d'accès, c'était parce qu'il fallait découvrir une partie de cette identité que je suis retourné à la littérature de la Caraïbe. Et le choc césarien a été une véritable césarienne pour moi, c'est le cas de le dire. Je suis moi-même né par césarienne, bon, le jeu de mots est facile, mais ça a été ça, pratiquement. Ça a été une césarisation, c'est-à-dire une issue hors du langage qui m'a profondément bouleversé. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé perse, de manière presque obsessionnelle. Je lis perse tous les jours, depuis des années. C'est pratiquement comme une bible. Ça me permet une association avec la Bible elle-même, puisque les écritures sont pour moi une source importante. C'est un immense poème. J'appelle ça le très haut poème, la Bible. Je crois que tous les écrivains devraient lire la Bible. Donc j'approfondis, je lis beaucoup la Bible deux fois par semaine de manière exégétique, c'est-à-dire de manière approfondie, avec un exégète biblique depuis des années. C'est une véritable passion et j'ai découvert ainsi, par ces lectures croisées de poètes contemporains, de poètes de la Caraïbe et des écritures, combien beaucoup de poèmes, de phrases, d'expressions, de même d'un rythme et du vocabulaire, voire même chez quelqu'un comme Jacques Roumain, hein, les gouverneurs de la rosée. Par exemple, hein, chez Isaïe, ça existe bel et bien. Hein, les gouverneurs de la terre. Un petit peu plus loin, un psaume plus loin, la rosée apparaît. Il y a énormément d'écrivains, de poètes qui ont puisé dans la Bible comme poème, comme vaste poème, leur inspiration, étant donné le foisonnement de cette écriture hébraïque. J'ai aussi beaucoup pratiqué le poète Édouard Glissant. Hein, Boise, ses œuvres complètes, c'est pour moi un grand poète également. Moins connu, je crois, que l'essayiste et le romancier, mais je crois qu'il y a là un déficit qu'il faudrait combler parce que Glissant est un immense poète. Voilà donc mes inspirations. Au Québec, forcément, Alain Grandbois, Sidney Garneau ont été les poètes de la fin du 20e que j'ai beaucoup pratiqué également, et puis les poètes contemporains québécois. J'ai été ici, je crois, mes premières publications ont été saluées par Gaston Miron qui m'a supporté, ont été également saluées par Édouard Glissant. Je crois que j'ai été parrainé par deux grands poètes au tout début de mes publications, ce qui m'avait beaucoup touché et je leur rends hommage aujourd'hui puisque la question du poème, c'est ce que la langue fait de nous. Le poème, c'est la fabrication dans une réversibilité de la langue et qui permet de dire qu'est-ce qu'une société fait, les hommes qui parlent.
Et le poème est à la pointe de ce questionnement-là. Et c'est le véritable chaudron de Médée. C'est dans le poème que les grandes questions, les grandes interrogations ont lieu, puisque c'est là et seulement là que nous saurons, que nous savons ce que la société fait des hommes parlants. D'autres inspirations, bien évidemment la musique. J'écris en écoutant de la musique. J'écoute toutes sortes de choses, bien évidemment, mais j'écoute beaucoup de blues, beaucoup de musique classique aussi. J'écoute beaucoup Bach. J'ai écrit Savane en écoutant du blues. Certains de mes livres sont des livres construits comme des partitions musicales. Je crois que la poésie a toujours rapport à un autre art. Quelquefois, le poète doit se poser la question à savoir s'il était musicien ou un peintre. Je crois que certains de mes livres sont construits comme des partitions musicales, d'autres comme des tableaux. Caïque, c'est construit comme des tableaux. Savane, comme une musique. Et des fois, les deux. Vétiver, c'est construit comme les deux. Les inspirations également, c'est du côté de la peinture aussi, puisque j'ai dédié mon premier livre à Jean-Michel Basquiat. Métropolis Opéra était dédié à Basquiat en 1986. Basquiat n'était pas connu à l'époque. Je me suis rendu au Musée d'art contemporain de Montréal, qui à l'époque occupait un immeuble à la Cité du Havre. C'est-à-dire, non pas dans le centre-ville de Montréal, mais sur le bord du fleuve, près de l'île Notre-Dame. Et cette exposition était intitulée « Via New York ». Il y avait là une dizaine de jeunes créateurs new-yorkais qui exposaient Julian Schnabel, notamment Keith Haring. Et je suis tombé sur trois tableaux d'un monsieur qui s'appelait, d'un peintre, un jeune peintre qui avait à l'époque 24 ou 25 ans, qui s'appelait Jean-Michel Basquiat. La définition du choc esthétique, je l'ai connue là. C'est-à-dire une terrifiante fascination. J'étais là totalement habité par ce que je voyais et j'ai passé la journée entière et j'y suis retourné tous les jours pendant 7 jours. Ce qu'on appelle les chocs esthétiques. J'ai acheté à peu près tous les dépliants, le petit catalogue, on peut peut-être pas l'appeler catalogue, mais tellement qu'il était modeste, il avait peut-être une cinquantaine de pages, qui accompagnait l'exposition. J'ai offert à tous mes copains et les copines en leur disant « il y a quelque chose qui se passe au musée d'art contemporain à la Cité du Havre, courez-y ». C'est comme ça que c'était Basquiat, je l'ai suivi par la suite, suivi son travail, je suis allé à Paris voir une autre exposition qui se passait dans une galerie près de Beaubourg et j'ai développé et sans savoir que Basquiat n'était pas encore connu tout à fait et c'est un an ou deux ans plus tard que le New York Times, un jour que j'achète un dimanche je me rappelle, lui consacre son magazine avec une grande photo de Basquiat et c'est là que je découvre que Basquiat est un Africain-Américain. Je croyais que Basquiat était français. Jean-Michel Basquiat. Ça ne me disait rien comme référence. Je ne savais pas que Basquiat était d'origine haïtienne. Lorsque je lui ai dédié mon livre, je ne savais rien de Basquiat en tant qu'individu. Je connaissais que sa toile, que ses toiles, les trois toiles que j'avais vues, et une autre, et deux ou trois autres à Paris. Et donc, ça a été ça pour moi. Donc j'ai suivi. Par la suite, Basquiat est mort très vite après, à 28 ans. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une exposition de Warhol au Grand Palais à Paris. Et sans doute, il y a, j'espère, des toiles ou une exhibite qui
illustre le rapport entre Basquiat et Andy Warhol, puisque c'était quelque chose qui, à l'époque, était essentiel pour comprendre un petit peu le rôle de Basquiat dans la peinture contemporaine. Donc, c'était cette inspiration-là. La deuxième inspiration, à part donc la peinture, la musique, les grands aînés, je lis les classiques latins, des poètes comme Sénèque, Martial, Pétrone, Ovide. J'ai fait, durant mon adolescence, grec et latin, et donc et mon père lisait le latin aperto libro, à livre ouvert. Et je suis né, l'histoire d'amour entre mon père et ma mère se passe autour du latin. Donc je dois au latin d'être là, vivant devant vous, parce que mon père, qui terminait son bac, enseignait le latin au lycée. Alors qu'il avait 18 ou 19 ans, donc il enseignait en 3e ou 4e. Et c'est comme ça qu'il a connu ma mère. Une autre inspiration, peut-être, c'est les voyages. Oui. J'écris en voyageant, je voyage pour écrire. La plupart de mes livres ont été écrits ailleurs qu'à Montréal. J'écris aussi par amour. Je viens de publier Lettres à l'indigène, qui est un recueil de lettres d'amour. Flâneur. J'aime marcher, j'aime flâner. Et le quartier où j'habite s'appelle à Montréal le Plateau. C'est un quartier qui a d'abord été un quartier ouvrier et qui est devenu gentrifié, comme on dit. Des condos, des choses comme ça. Et mon éditeur a sa maison sur la rue Marianne et je squatte le quartier que j'aime bien parce que d'abord, il est central. Ensuite, il y a plein de parcs. J'habite à côté d'un parc. Et pour moi, c'est important d'aller flâner. C'est un quartier également où j'ai quelques amis qui habitent. Et donc, il y a le marché de la poésie tous les ans au métro Mont-Royal, là. C'est sympa. Il y a des petites librairies. Ouais, c'est fait village un peu, mais en même temps, je suis pas du tout villageois. J'écris un livre qui s'appelle Tribus, qui porte sur des tribus urbaines, sur Montréal en fait, aussi, notamment Montréal, New York, Paris, partout. Montréal, c'est une ville que je quitte facilement parce que c'est pas une ville nostalgique, c'est pas une ville qui nous rattache comme certaines villes. Et ce que j'aime, c'est que dans ma vie, j'ai aimé les villes. Ce sont des villes aimées, un peu comme des êtres que nous aimons. Et les villes ont pour moi la même importance. Alors Montréal, c'est mon enfance. C'est Notre-Dame-de-Grâce, le quartier où j'ai été élevé, à l'ouest, qui est un quartier plus anglophone. J'étais le seul enfant d'origine étrangère dans cette école. Ensuite, il y a eu un petit arabe, je crois. Je croyais qu'il était haïtien, mais non, il était égyptien. Puis ensuite, aujourd'hui, j'ai été invité dans cette école il y a quelques années. Il y a aujourd'hui 105 nationalités. Hein, ça montre en 2 ou 3 décennies ce qui a changé au Québec. Et à quelle vitesse également. Et donc, Montréal, pour moi, c'est ça. C'est un assemblage, un patchwork de petits quartiers sympas. Au nord du plateau, il y a la petite Italie, il y a plein de petits bistrots. Alors, ce que j'aime de ce quartier, c'est qu'il y a plein de bistrots sympas où on peut manger. Et c'est très bien. Il y a une gastronomie tout à fait remarquable à Montréal. Il y a plein de... Alors, je connais beaucoup de restaurants. Sur le plan professionnel, beaucoup des rencontres que je fais sur le plan professionnel se passent dans des restaurants. Et donc, à cause de cela, j'ai fini par connaître les 4 restaurants sympas, un peu partout dans la ville. Donc c'est une ville qui est pour moi un lieu de fête. Et puis ben voilà, c'est un quartier qui est... Il y a une belle architecture, c'est assez modeste finalement. Hein. C'est pas trop tape à l'œil.
C'est habité d'étudiants, fonctionnaires, d'artistes aussi beaucoup qui habitent ce quartier. Le député du coin est un copain à moi, voilà. D'origine iranienne, ça dit beaucoup hein, sur ce quartier qui a beaucoup bougé, qui s'est beaucoup transformé. Alors, ma petite enfance, je l'ai passée au Caï, dans ma ville natale en Haïti. Je suis né au Caï, qui est la métropole du sud d'Haïti. C'est pour moi le centre du monde. Toute ma poésie vient des Caï. Je vous ai parlé tout à l'heure des villes, des métropoles urbaines. Mais le fond de ce que j'écris est élu sur une Caï. Qu'est-ce que c'est qu'une Caï? Une Caï, c'est un îlot de madrépore. C'est un ben, au fond qui disparaissent et apparaissent selon la marée. C'est ça une Caï. Donc c'est une toute petite île. C'est un îlot, c'est un îlet, c'est une toute petite chose. Et les Amérindiens croyaient que c'était des rochers sacrés. Les récifs de coraux comme ça qui apparaissaient ou disparaissaient. Et ces récifs de coraux parce qu'il y avait beaucoup de poissons autour. Et les Araraques croyaient que c'était là les lieux sacrés. Et ma ville natale s'appelle les Caï parce que la ville est construite avec des madrépores que les gens allaient chercher sur les Caï et transporter les madrépores. Donc les maisons étaient solidement construites. C'est une ville qui est plate, bien construite. C'est la seule ville d'Haïti en fait construite sur les plans d'un architecte du roi, avec une place centrale, la mairie, une église. C'est très charmant. Et Moreau de Saint-Rémy avait décrit cette ville comme étant une des plus belles des Antilles, parce qu'il y aurait un charme créole tout à fait remarquable. Et j'ai été élevé dans cette ville où il y avait non pas un orchestre symphonique, mais un orchestre de musique classique. Il y avait deux journaux quotidiens, une petite ville de 15 000 habitants. C'est une ville historique, dans le sens où c'est une ville qui a donné à Bolivar des hommes, des armes, de l'argent et des presses pour aller lutter contre l'oppresseur espagnol, pour l'indépendance de l'Amérique du Sud. C'est une ville également ouverte sur la Caraïbe, puisque en face des Caï, c'est la mer des Antilles, c'est la Caraïbe, et c'est Curaçao, c'est les Antilles néerlandaises. Et à droite, tout droit, le long de la presqu'île du Sud, c'est la Jamaïque, et vers la gauche, c'est la Guadeloupe et les Antilles françaises. Je crois que c'est la seule ville véritablement Caraïbe d'Haïti. C'est-à-dire que c'est la seule qui soit ouverte comme ça. Alors, mes souvenirs d'enfance, c'est d'abord une maison. C'est ma maison familiale au Gabion, qui est un quartier qui est situé vers l'ouest de la ville, non loin de la ravine, parce que la ville des Caï est entourée de trois rivières, la ravine du sud, l'îlet, et puis une troisième rivière dont j'oublie le nom. Alors c'est une ville qui est donc régulièrement victime de crues, de débordements comme ça. Donc mon enfance a été une enfance de cyclones et de crues, des rivières qui débordaient. Enfant, voir l'eau comme ça qui monte tout d'un coup, j'ai été très vite happé par les éléments, par la force brute de la nature et des cyclones et du déferlement des eaux. Et puis ça a aussi été une naissance par césarienne particulière, parce que je suis né par césarienne, c'était la première césarienne de la ville des Caï. Donc toute la ville était à l'hôpital. Généralement, c'est important historiquement dans ma famille, puisque mon arrière-grand-mère maternelle ou l'aïeule maternelle avait des bateaux. Elle était armateur de bateaux et elle avait donc des capitaines qui faisaient commerce pour elle avec toutes les Antilles. Donc j'ai été élevé dans une famille de commerçants
Et les mots curaçao, hein, étaient. J'ai appris plus tard que curaçao, ça signifiait le cœur hein, en portugais. Curaçao, Kingston, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre. On vivait dans cette espèce de. Dorala, Santiago de Cuba, Camagüey. Bon, alors c'est l'arrière-fond culturel. Et cette aïeule maternelle, elle emmenait les femmes de la ville d'Ecaille accoucher à Curaçao. C'était plus facile d'aller à Curaçao accoucher que d'aller à Port-au-Prince. Il faut savoir qu'à l'époque, ces villes portuaires haïtiennes, ces villes côtières, étaient quasi indépendantes de Port-au-Prince. C'est Duvalier qui va fermer les ports et provoquer donc l'effondrement de l'économie haïtienne de cette façon-là, pour contrôler un petit peu les villes de province. Ces villes étaient de véritables petits empires. La ville d'Ecaille était arc-boutée sur la plaine d'Ecaille, qui était une plaine sucrière très riche. Donc c'est encore la partie la plus verte d'Haïti jusqu'à aujourd'hui. Les Gabions, et c'est une maison créole avec une véranda autour, avec des meubles anciens d'acajou, et surtout avec un immense jardin et une roseraie, parce que ma mère aimait beaucoup les fleurs. Et mon père était passionné également de jardinage, donc nous avions une immense roseraie, et cette propriété était une ancienne plantation, c'était une partie d'une ancienne plantation, et il y avait sur la propriété un vieux four colonial, qui était le plus ancien four colonial encore en activité dans la ville. On faisait du pain. Et cette propriété donnait sur une bananeraie, sur peut-être 80 hectares, une plantation comme ça, qui tombait sur la fameuse ravine du sud, la rivière où enfant j'allais me baigner. Et on traversait la ravine pour se rendre à Torbeck, de l'autre côté. À Gué, comme ça. Alors voilà donc dans quelle ambiance j'ai été élevé. Au gabion des indigènes. Ça s'appelle le gabion des indigènes. Le mot gabion en français signifie une masure. Or ce quartier était paradoxalement, ironiquement construit de magnifiques maisons créoles qui n'étaient pas du tout des gabions. Et puis l'Ecaille, ça a été aussi l'arrière-pays, c'est-à-dire Campérin, où je passais mes vacances, et mes oncles avaient construit une usine de vétiver. Alors là, si je vous. Hein, j'ai même appelé un livre Vétiver, c'est vous dire ce que signifie pour moi cet arôme, ce parfum, ces racines. Mes oncles construisaient une usine de vétiver, donc j'ai assisté à tout ça, à la construction de cette usine. Et surtout la fabrication des huiles essentielles. Et à partir de vétiver, aujourd'hui qui est une industrie importante encore aujourd'hui dans le sud d'Haïti, Haïti est l'un des plus grands exportateurs de vétiver, de cette huile essentielle qu'on envoie à Grasse dans le sud de la France pour faire ces parfums qu'on utilise aujourd'hui. Donc j'ai été élevé là, j'ai été élevé surtout à cheval, puisque nous avions une maison secondaire à Lévis, à une dizaine de kilomètres de Campérin, où je faisais de l'équitation, j'avais un cheval, un enfant, et j'ai adoré cette ambiance où mes oncles creusaient des alambics, des chaudières à vapeur, avec des livres de sciences, parce que c'était une usine de distillation du vétiver, et les paysans apportaient des ballots de vétiver, de ces racines qu'il fallait. Et je me rappelais de leurs mains blessées parce qu'il fallait creuser la terre. Et les racines du vétiver vont très profondément dans la terre et on ne pouvait pas les enlever au couteau ou avec la machette, sinon on laissait la racine dans la terre. Donc il fallait creuser à la main. Et ils venaient vendre ces ballots de vétiver à l'usine et qu'on pesait, je me rappelle, puis cette poussière également, cette odeur qui imprégnait la peau, les vêtements. Et toute la région était empestée de cette odeur magnifique du vétiver et qui m'est restée, c'est le parfum que je porte aujourd'hui et qui est l'odeur de mon enfance.
et ses oncles, qui étaient des hommes prodigieux, hein, c'est mes héros, mes oncles maternels, parce qu'ils se sont battus, ils ont très jeunes fondé la première compagnie de transport, CAI Port-au-Prince, la première usine de vétiver et la première révolte armée contre Duvalier. Vous voyez, donc, c'est des hommes extraordinaires, je le dis pas parce que ce sont mes oncles, mais c'était des capitaines d'industrie qui voyageaient beaucoup et qui étaient des hommes droits, honnêtes, généreux, magnifiques, qui aimaient les femmes et qui étaient très courageux. Ça leur a valu plusieurs années de prison, ça leur a valu la destruction des usines, des emprisonnements, des injustices, et ça m'a valu à moi une colère encore très violente qui ne s'apaise pas contre l'injustice. Je ne peux pas supporter l'injustice. J'étais élevé, j'ai vu ça, j'ai vu des scènes terribles dont je n'ai pas le moment d'en parler. Ma mère a fait de la prison, des choses terribles dans ma famille à cause de notre opposition à Duvalier. C'est comme ça que je suis rentré fils d'exilé à Montréal, parce que nous sommes très vite avant l'élection de Duvalier, opposé à Duvalier. Hein. Duvalier n'a pas pu faire campagne électorale dans la ville d'Écaille. Mes oncles sont allés à Cavaillon et lui ont interdit de venir souiller la ville d'Écaille. C'était... Alors là, il nous a fait payer très cher, puisque historiquement, c'est dans le Moniteur, c'est-à-dire le journal officiel, le premier décret de Duvalier, père, 24 heures, le lundi matin après son investiture, a été de chasser mon grand-père maternel de la magistrature haïtienne. Acte illégal. Parce que nous étions opposés à Duvalier, nous étions des déjoyistes, parce que, c'est-à-dire du côté de Louis Desjoies. C'est pas seulement ces souvenirs douloureux, c'est aussi des souvenirs plus agréables, de promenade avec mon père le long de la mer, où enfant je lui posais beaucoup de questions parce que j'étais très très curieux, et je lui posais beaucoup de questions sur la mer, et il disait de moi: tu es comme la mer, tu ne gardes pas les détritus, les crasses, tout ce que tu as en toi, tu le renvoies sur la berge. Et puis la ville d'Écaille, c'est aussi ma première école maternelle. Alors là, la première école maternelle a été construite au Caille. Le premier kindergarten en Haïti, de la République d'Haïti, a été construite au Caille par les mères Oblates de Marie, au gabion des indigènes. Les bourgeoises de la ville avaient offert un terrain aux religieuses. Et elles avaient construit une école d'une trentaine d'enfants. Et je me rappelle de mes premiers pas dans cette école maternelle, qui existe encore, puisque j'y suis retourné au CAI. Parce que chaque fois que j'ai lancé un livre, je vais au CAI. À l'Alliance française, lancer mes bouquins, c'est rituel, c'est pour moi très important. Les religieuses aujourd'hui qui sont devenues haïtiennes, c'était des Québécoises, des Canadiennes françaises qui étaient là à l'époque quand j'étais enfant. Aujourd'hui, c'est des Haïtiennes qui m'ont invité à visiter l'école avec beaucoup d'émotion, puisque c'était la première école jardin d'enfants de la République d'Haïti, au CAI. Et j'étais là avec un ami, le docteur Robert Léger, puisque nous étions les premiers qui avaient inauguré cette école, qui exerce encore au CAI. Et c'était très émouvant, des années plus tard, de retourner dans mon école maternelle. Et c'est là que j'ai appris à lire et écrire. Et je rends hommage à ces religieuses, puisque je savais lire et écrire à 2 ans et demi. 2 ans et demi, oui, ma mère me le dit toujours. À 2 ans et demi, je savais lire et écrire. Et il faut dire que ma mère était elle-même, je crois que c'est génétique, probablement très précoce sur ce plan-là aussi, puisque elle a fini son bac à 15 ans, elle est devenue neuropsychologue très très tôt, c'est la première neuropsychologue haïtienne chez Piaget en Suisse, donc
Donc il y a quelque chose probablement de génétique dans cette affaire de précocité par rapport à la langue. L'écaille, c'est aussi ma première école primaire chez les frères de l'instruction chrétienne. Je me rappelle le premier jour où je suis allé à l'école et j'avais un petit chapeau de cow-boy, je crois, un petit chapeau western, un petit sac à dos. Et de ma maison, on pouvait continuer et passer par un pont qui s'appelait le pont Gombo. Elle est tout droit vers la place que je vous décrivais, qui s'appelle le carrefour Aurel. Et il y avait une place centrale où se trouvait l'école des frères. Et mon père me disait, voilà, vas-y. C'est extraordinaire d'aller à l'école seul le premier jour. Et alors, il m'a mis sur le petit vélo, il m'a dit, droit devant toi, go west, young man, à peu près. Et je suis parti sans me retourner la tête, je me rappellerai toute ma vie, vers mon école. Je devais avoir 4 ans ou 5 ans, je crois. Alors qu'aujourd'hui, je vois les parents accompagner leurs enfants à l'école, etc. Je suis parti tout seul pour ma première entrée à l'école primaire. Je ne suis pas retourné, je crois que il ne m'aurait pas pardonné si je m'étais retourné. Mon père était un homme très sévère et très rigoureux comme ça. Il fallait que je manifeste du courage à 5 ans, ou 4 ans, 5 ans, après l'école maternelle. Donc j'ai quitté les cailles vers 8 ans pour aller à Port-au-Prince parce qu'il fallait quitter Haïti et la transition a été rapide. Et puis ensuite nous sommes venus au Québec parce que mes parents voulaient que nous gardions le français. Alors que nous avions en fait de la famille aux États-Unis, à Chicago et à New York. Mais ils ont insisté pour qu'on vienne au Québec à cause de la langue française, uniquement. Écrire, c'est une transformation de la vie. C'est pas la vie qui doit devenir de la littérature. C'est de la littérature qui doit être du vécu. Dans le sens où écrire pour moi était une véritable transformation de ma vie. Dans le sens où je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui, par ces deux événements dans ma vie. Le livre. Le livre comme fascination, parce que je vous ai dit au début de notre entretien que j'étais un enfant affublé d'un bégaiement terrible. Bégaiement traumatique, pas pour moi d'ailleurs, curieusement, mais pour mon entourage. Ce bégaiement m'a conduit donc à lire beaucoup, à m'enfermer dans la lecture. Un curieux enfermement qui était, je vous l'ai dit, une libération. Alors j'étais un enfant très anormal. J'étais un enfant, véritablement un enfant lecteur. Comme il y a des enfants musiciens, il y a des enfants... Hein, j'étais un enfant lecteur. J'avalais. Il ne fallait pas que ce soit écrit. Et il n'y avait aucune différence pour moi entre Gogol, Balzac, Hugo. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Et ça a été un événement dans ma vie parce que je me suis rendu compte, bien évidemment, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un rapport à la littérature qui est de l'ordre de la dette. C'est-à-dire, j'ai envers la littérature une dette de vie. Cette transformation de ma vie par la lettre m'a conduit justement à ne pas faire d'études littéraires, curieusement, puisque j'aurais dû peut-être spontanément aller faire des études littéraires. Non, j'ai fait des études scientifiques. L'autre transformation de ma vie a été la poésie des faits, la science, la médecine. J'ai fait deux spécialités, la chirurgie générale et la psychiatrie. Ce qui veut dire que j'ai une vie consacrée à la médecine. Si bien que l'œuvre est construite, ça serait à d'autres de le dire, mais je parle de ce que j'en sais.
elle est construite sur deux choses. Elle est construite d'une part sur, non pas une nostalgie de l'île abandonnée ou laissée, pas du tout, ce n'est pas mon tempérament, donc je ne ressens pas ça. Elle est construite sur l'absence. Donc, sur la nécessité de construire quelque chose autour de l'absence. Cette transformation-là s'aboutit à des actes de langage, le poème en est un, et s'aboutit à une éthique, c'est-à-dire une éthique de l'écriture, une éthique de la vie, une éthique du poème lui-même. Si bien que, comme je le disais tout à l'heure, ce que j'ai essayé de faire, c'est des œuvres, des livres qui sont imprégnés non pas de nostalgie, d'exil. Ce sont des thèmes qui ne m'intéressent pas beaucoup, par tempérament, je crois, puisque j'étais élevé dans une ambiance de diversité culturelle très vite. Non, c'est plutôt l'absence qui a été à l'origine de mon travail littéraire, d'un engagement éthique, d'une part. D'autre part, la question de la maladie, c'est-à-dire de la mort, du courage des êtres humains face à la maladie, de leur résilience, de leur abandon quelquefois, lorsqu'ils s'abandonnent soi-même, et de la fragilité de toute vie, et de la force de la parole pour ramener quelqu'un à la vie. Et donc, il y a eu, dans mon travail, ce rapport constant entre, d'une part, l'absence, et d'autre part, la lutte pour la vie, puisque la médecine étant une je dirais comme Céline, je suis médecin, ma seule passion c'est la médecine. Céline disait ça. Le grand Céline, qui a révolutionné la stylistique contemporaine, a dit « Non, vous croyez que je suis écrivain ? Non, pas du tout, moi, j'ai qu'une seule passion, la médecine. » Et je crois que cette façon de dire les choses, je pourrais reprendre ça à mon compte, c'est que, non pas que la médecine soit plus importante que la littérature, ce genre de... Parce qu'on me demande quelquefois... Êtes-vous plus ceci ou plus cela? Non, d'abord ça ne m'intéresse pas de savoir ça. Je ne vis pas comme ça du tout. Je ne pourrais pas être l'un ou l'autre. Je suis l'un et l'autre. Et j'ai exploré, j'ai essayé de comprendre un petit peu pourquoi. Qu'est-ce que je faisais dans cette galère, dans cette aventure très exigeante, puisque mon travail de spécialiste est extrêmement exigeant sur le plan des conférences, de l'enseignement, de la recherche. Je travaille énormément, 90 heures semaine, et en même temps, je ne peux pas faire autrement que d'écrire. C'est vital. Et donc, je suis obligé d'organiser ma vie. Et je me suis posé la question chez d'autres écrivains. J'essaie de dresser un portrait de l'artiste en psychiatre. De livre en livre, je pense avoir tenté de construire la question des espaces. La question de comprendre profondément, d'ailleurs les titres de mes livres disent bien Métropolis Opéra, donc c'est la ville, la métropole, tribu, c'est la tribu urbaine, savane, c'est encore l'espace, vétiver, c'est aussi cet espace, celui-là plus affectif, plus aromatique, plus organique aussi, caïque, c'est encore l'espace de la Caraïbe, des îles. Et puis j'ai écrit un essai, Théorie Caraïbe, c'est aussi la question du déplacement. Théorie dans ce sens-là signifie homme en mouvement. Et donc c'est toujours la question du mouvement qui m'habite. Et là je viens de publier Lettre à l'indigène, qui est un recueil de lettres d'amour, où il est question, c'est un écrivain à Montréal qui écrit à une indigène, une femme qui habite Paris. Donc là aussi, il y a des villes aimées, il y a des... une espèce de diptyque entre deux êtres autour de l'absence, autour de l'Atlantique, autour de cet éros transatlantique, alors que l'Atlantique a été pour nous une mer maudite,
là, elle devient une mère plus heureuse, elle devient une mère moins amère. Les premières impressions poétiques que j'ai eues, je les ai eues face à la mer. C'est-à-dire ce sentiment du sublime. Le sublime étant ce qui ne peut pas se dire et qui ne fait que se ressentir. C'est-à-dire ce qu'on ressent par exemple face au Grand Canyon aux États-Unis. Hein, si vous allez voir le Grand Canyon, c'est exactement le sentiment du sublime. C'est tellement grandiose que vous êtes bouche bée. Hein, devant un lever de soleil par moment, ou une pleine lune. Hein? C'est le sublime, c'est sublimineux, c'est au-delà, c'est en dessous de la frontière. Vous ne pouvez rien en dire. Le sentiment premier que j'ai eu, je pense, poétique, c'est cela. C'est devant la mer, enfant, ce bruit, ce mouvement répétitif, ce rythme, je l'ai eu au Caï, en me promenant au bord de la mer. Autant vous dire donc combien la question de l'insularité est chez moi essentielle. Je suis un homme d'île, signifie pour moi je suis un homme de mer. Je suis passionné de voile. Personnellement, je fais de la voile, je fais de la plongée sous-marine, je fais la Cuba un nombre incalculable de fois sur tous les sites au Mexique où on fait de la plongée sous-marine. Je fais du catamaran, je fais de la voile. La mer pour moi c'est un élément fondamental de ma vie. Dès que j'ai un moment, je vais faire de la voile. L'île, c'est une impossibilité. Il n'y a pas d'île, il n'y a que des archipels. Toute île est en demande d'une autre île. J'ai un essai là que je vais appeler l'impossibilité d'une île. Hein? Voilà. Pour dire la question archipélique, et que pourquoi je vous disais tout à l'heure combien caïque, ce sont des mots qui signifient des îles. Caïque, c'est une petite île, c'est à la fois le bateau, alors c'est beau le mot caïque, c'est le titre de mon dernier recueil, c'est beau pas parce que c'est le titre de mon dernier recueil, mais c'est parce que le mot lui-même est magnifique. C'est un mot taïno, caïuco, qui signifie deux choses, qui signifie une pirogue, une embarcation, et qui signifie aussi une île. C'est extraordinaire, non? C'est-à-dire, on voit dans le même mouvement, pour les Taïnos, le mot qui signifie île est exactement le même mot qui signifie le moyen de se rendre à l'île, c'est-à-dire le lien entre les îles, le canoë, la pirogue, le bateau. Et c'est bien cet acte de langage d'appeler le moyen et la destination par le même mot qui fonde ma poésie. Et d'où ma passion pour l'étymologie. Hein? L'étymon a quelque chose de puissant puisqu'il nous dit ce qui est au-dedans de la langue. L'étymon nous oriente vers le sens caché des mots. Le sens profond du mot. Voilà un mot que les Taïnos, dont la langue s'est perdue en nous, mais qui résonne en moi. Je suis allé au Caïque pour écrire mon dernier recueil de poèmes, parce que, enfant, ma grand-mère, lorsque j'étais turbulent, que j'étais intranquille, et que je fuyais à travers la bananeraie jusqu'à Torbec, elle lançait à ma poursuite une meute de domestiques qui savait très bien où je me trouvais caché, quelque part chez le paysan, mais qui attendait le soir pour me ramener. Et quand on me ramenait, elle me disait « Tu auras beau fuir jusqu'aux Iltiques, je te retrouverai. » Mais qu'est-ce que c'est que les Iltiques? Je ne savais pas ce que c'était les Iltiques. En créole, les Iltiques, en fait, c'est les îles turques. Les îles Turques et Caïques, c'est cet archipel au nord d'Haïti. Turc à l'époque était l'expression pour dire corsaire. Et les Caïques, c'est cet archipel, l'ensemble de toutes ces petites îles
que les Taïnos nommaient Cayuco. Si bien que le passage entre Cuba et Haïti sur les cartes maritimes anciennes s'appelle non pas le passage du vent comme aujourd'hui, mais le passage des caïques. Magnifique. Parce que ça dit tout. L'île est un passage. L'île n'est jamais un espace d'enfermement. L'insularité n'est jamais, pour ceux qui étaient les indigènes, les premiers habitants de la Caraïbe, n'était jamais un espace clos. C'était un espace en permanente transformation. La fin était également le moyen. Et la beauté de ce mot Cayuco qui est donné caïque, et je dirais aussi, il ne faut pas l'oublier d'ailleurs, par une occurrence absolument extraordinaire, en Méditerranée, le bateau d'Homère s'appelle un caïque. Il y a encore en Méditerranée des caïques, le même mot d'ailleurs, hein, qui ce sont des bateaux qui vont parmi les îles grecques et également les îles de la Turquie, hein, on les appelle caïques. C'est presque une hallucination linguistique de savoir que dans la Caraïbe et en Méditerranée, on utilise le même mot écrit de la même façon pour dire la même chose. Et ça me fait penser à l'hallucination, cette fois-ci plus réelle, qu'a eu Aimé Césaire alors qu'il était en Croatie, et qu'au bout du petit matin, hein, il se lève, et qu'est-ce qu'il voit devant lui? Une île qui s'appelle Martinisca, c'est-à-dire Martinique. Hein? Eh bien, c'est un peu par hommage à Césaire que j'ai appelé Caïque, ce recueil Caïque, puisque là aussi, quand je suis allé en Grèce et qu'on m'a dit que ces bateaux s'appellent caïques, je me suis dit, est-ce que c'est... Hein, je suis en train d'halluciner, qu'est-ce que c'est que cette extraordinaire ironie de l'histoire que le bateau d'Homère, la Calypso, s'appelle caïque également, c'est un caïque. Le vaisseau noir d'Homère, c'est un caïque. Il y a des fleuves dans l'Iliade et l'Odyssée qui s'appellent le fleuve caïque, chanté par Homère, chanté par Ovide, chanté par Pindare, chanté par Sénèque. Les îles, quand vous savez que le mot île, insula en latin, a davantage une connotation de terre entourée d'eau, hein, de tous côtés. Hein, c'est ça la description d'une île. Alors que chez les Taïnos, pas du tout. L'île n'est pas une terre entourée d'eau. L'île est un pied à terre, un pied en mer plutôt. Hein, on met le pied à terre vers une autre île. Voilà mon rapport à l'insularité. La mer a le dernier mot. Et tout ce que je viens de vous dire à propos de l'île, à propos de ma vision de l'île, ce n'est pas la vérité de la poésie. La poésie est au-delà de toute théorisation. La poésie est dans les interactions entre tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire entre mon enfance, la littérature, la passion des livres, le rapport organique à la parole, la médecine, le rapport à la chair réelle, concrète des hommes et des femmes, l'angoisse, la perte, l'absence, la lutte contre l'injustice. Et tout ça constitue la poésie, c'est-à-dire c'est au-delà d'un dire théorique sur la poésie. Je ne suis pas un théoricien du langage. Et la poésie n'est pas une linguistique. Elle est au-delà. Le poète ne doit pas être un linguiste, même si un linguiste peut devenir poète. Mon ami Robert Berouet-Auriol en est l'exemple. Mais tout poète doit se méfier, à mon sens, de toute fascination pour des structures théoriques, parce que la poésie n'est pas dans le poème.